matière physique et coopération, je suis d'accord pour renforcer la coopération au niveau bilatéral, SADCAD, TICAD, sa forum coopération hexalogue entre Japon et l'Afrique. Parmi 26 importants qui nous ont discuté, la crise économique mondiale et son impact, surtout l'obanne de l'économie, il y en a aussi le sommet G20, côté Japon, il réaffirme son engagement pour donner support aux pays qui peuvent développer, qui ont l'économie qui est affectée par sa crise mondiale. C'est dans ce contexte que le président Michel a gagné l'assurance avec le premier ministre Asso qui est Japon pour donner son support pour le programme de réforme économique qui CCLP peut implémenter et aussi pour le processus de négociation qui peut dérouler le 6e d'être pays avec Paris Club. Les deux dirigeants ont aussi discuté de coopération dans le secteur tourisme, commerce et l'investissement et surveillance maritime. Président Michel et Inté Asso discutent à profond et fait l'essence point de vue sur la surveillance maritime et nécessité pour les deux pays mettre des efforts ensemble pour surveiller l'océan Indien et région encore en Afrique pour combattre la piraterie qui n'entrait dans nos zones économiques exclusives. Changement climat, c'est aussi l'occasion d'avoir une discussion entre les deux dirigeants. Tous les deux côtés, ils mettent l'emphase pour travailler ensemble, le faciliter. Faudrait noter qu'il s'est le premier pays qui supporte l'initiative Japon qui appelle Cool Earth Partnership. Et là, le gouvernement japonais peut envoyer une équipe technique en zin salonné pour aider CCL à adresser plus bien sa sujet changement climat. C'est que la paix est aussi un sujet important qui président Michel discute avec le premier ministre Asso, à part qui renforce la coopération de sa secteur. Les deux côtés ils aussi soulignent l'importance pour plus d'investissement et aussi diversifier les activités dans le domaine de la paix. Le gouvernement japonais il aussi réaffirme son engagement et support envers le développement secteur de la paix long terme de CCL. Et toujours dans sa première la journée pendant son visite au Japon, président Michel a rencontré plusieurs personnalités et aux officiers du gouvernement japonais. Et demain, son deuxième jour là-bas, il peut officiellement ouvrir le bureau consul honoraire CCL et il peut aussi rendre une visite courtoisie à l'empereur Akihito.